Semaine passée, j'ai fait une vidéo pour m'expliquer si vous avez besoin de payer machine ou plus vite et c'est plus agent, chaque fois que vous payez banque là, vont vous casser comme en plus sur le principal. Dans la vidéo, ça, je vais appeler quelqu'un qui a posé une question, qui est le principal là et comment il fonctionne. Si ce sont les gens qui ont fait transaction à la banque, regardez la vidéo ça. Parce que chaque fois que vous faites dépôt, ou du moins, vous voulez payer banque là, il y a encore bouteille d'huile ou utiliser le principal. Parce que toujours, lorsque vous voulez payer en banque encore bouteille d'huile, les cobs arrivent dans la même banque là, les diviser en deux parties. Comparti la donne calé dans principal et comparti la donne calé dans intérêt. Rapport qui est entre deux termes, c'est que banque là voulait pour payer intérêt avant même que vous commencez à payer principal. L'autre terme, lorsque commence à payer banque là comme vous devez là, puis faut comme ça aller dans intérêt, c'est après ça vous commencez à payer principal là. Un pour exemple pour comprendre. Mettons que vous allez à la banque vous prêtez 20 000 $ pour acheter une machine. Sous 20 000 $, banque là vous la charge un intérêt de 5%. Et le bon période de 60 mois, qui donc 5 ans, pour payer le 20 000 $ sa banque. Mais que j'ai pas pour calculer, non ça. Dans le cas ça, 20 000 $ la représenter principale là. 2645 $ avec 48 centimes, le représenter intérêt banque la charge pour 20 000 $, qui donc 5%. Et quoi vous pour payer banque chaque mois, la 377 $, jusqu'à ce que vous payez dans la période 6 mois ça. Mais pour que l'on vienne avec genre de chiffre ça, il est obligé d'utiliser un terme qui est relié à amortisation. Je voulais dire horaire de paiement, ou du moins, c'est qui genre banque là pour mon tour que vous prenez payer le cobla jusqu'à ce qu'on parle encore. Comment banque l'on fait pour jouer genre de chiffre ça? 377 $ par mois, 2645 $ avec 48 centimes pour intérêt, etc. Il y a plusieurs façons qu'à faire pour jouer le chiffre ça. Mais deux dans la façon qui est plus facile. Allons là, mettez Bankrate Auto Loan Calculator. J'en ai mis l'écran, écrit comme ça, et pour après, page ça paraît devant. Mettez toutes les informations gagnées, et puis la bonne amortisation, ou du moins, horaire de paiement. Quand allez tout dans calculator.net, mettez même information sur, ou après, page ça paraît devant, la bonne amortisation, ou du moins, horaire de paiement. Peut-être, ce sont les gens qui m'aiment ensemble avec moi. Vous rappelez de Samuel, c'est chinois à parler là. Moi-même, je comprends bien, là, je vous explique mon bagage, et puis là, je vous donne mon exemple encore. Ce sont les gens comme ça. Je cherche un exemple. Pour nous mettre tout ce chiffre ça dans l'application, juste pour le thème principal, ça a fait plus sens. Là, on a commencé à dire que la banque a prêté 20 000 $ pour acheter une machine. 20 000 $ dans le cas ça, de représenter principal là. Banque charge un intérêt de 5% sur 20 000 $. Kevin Bow, 2645 $ avec 38 centimes. Ça a de représenter intérêt. Et banque a bon période de 60 mois, ça veut dire 5 ans, pour payer la quantité comme ça. Et chaque mois, on vient à payer la banque 377 $. Lorsqu'on ajoute 2645 $, 48 centimes sur 20 000 $, qui est le principal là, il vient bon total de 22645 $ avec 48 centimes. Ça veut dire que c'est quantité comme ça qu'on vient pour payer la banque net jusqu'à ce qu'on parle encore. Et pour nous, comment la banque a fait horaire de paiement, pour du moins amortisation, jusqu'à ce qu'on finisse payer tout comme vous voulez là. La banque a commencé, avec balance 20 000 $. Je vais souhaiter quitter la partie de tromper. Parce que balance, c'est le premier paiement que vous faire, juste le premier mot que payer. Banque vais commencer avec balance. Si j'ai paiement tout le mois, chaque mois, vous avez 377 $ dans la banque. Tout à l'heure, je mentionné que chaque lot vous comme ça, aller est divisé en deux. Compartir la donne calée dans l'intérêt, compartir la donne calée dans le principal. Pour que vous déterminer qui quantité de cop qui prend aller dans l'intérêt, pour moi ça, il prend valeur A qui c'est balance qui c'est 20 000 $, il multiplie par intérêt A qui c'est 0.05 et puis il divise par mois qui c'est 12, qui vient par nous 83 $ avec 33 centimes. Et puis reste là, il y a le principal là qui c'est 294 $ avec 0.9 centimes. C'est bien pour nous comprendre. Normalement, l'emprunt est comme dans mon banque, je mets ça n'importe institution, vous voulez payer intérêt avant même qu'on finisse payer principal là. En d'autres termes, tout plus gros paiement que vous faites, vous allez sur intérêt après ça, vous commencez à payer principal là. C'est ça qui fait tout. Lorsqu'un cas par exemple, les prend temps pour construire equity parce que entre 1 à 5 premières années à payer, puis faut que vous allez sur intérêt. Regardez dans le deuxième mois. Pour pouvoir calculer qui est intérêt, qui est principal pour payer pour le deuxième mois, la prend balance qui était à. Ça veut dire la moins 294 $ avec 9 centimes,
Non, 20 000 dollars qui vient par 19 705 dollars avec 91 centimes. Donc, il n'est pas calculé ça là-dedans. Ça va là-dedans. C'est seulement les moins ça dans 20 000 dollars qui vient par ça. Ça veut dire, dans moi, ça, il fait même calcul là toujours. Il va nous 82 dollars avec 11 centimes. Et puis, principal là, il y a 245 dollars avec 32 dollars canadiens. Ou qu'a remarqué, premier mois, il y a des plus. Deuxième mois, il y a un petit. Et dans le cas ça, principal là, premier mois, principal là, c'est pipiti. Deuxième mois, principal là, vin piou. Jusqu'à ce qu'on finit pile, c'est comme ça la présente. Pour comprendre qui gens sous-paye plus sous principal là, la force save plus cop et la force paye plus vite, admettons que l'autre voyait cop ça, qui donc est 377 dollars pour premier mois, ou t'es ajouté 500 dollars sous principal là. On a regardé qui est différent ça. Mais là, ou ajouter 500 dollars en plus de 294 dollars avec 9 centimes dans sous principal là, on a regardé ça privé. Pour pas tromper comme si on était genre confuse, on essaie de buffer ça. Ça veut dire qu'on a ça pas existe encore. Au lieu que banque là moins 294 dollars avec 9 centimes dans 20 000 dollars, les vin bay 794 dollars avec 9 centimes parce que ou ajouter 500 dollars sur lui. Ou qu'on a là, les vin fait balance sous au lieu pour ta 19 705 dollars avec 91 centimes, les vin 19 000 avec 205 dollars 91 centimes. Gardez pour eux. Au lieu intérêt ou vin 82 dollars avec 11 centimes, intérêt 80 dollars avec 2 centimes seulement. Et puis principal là, au lieu pour ta 295 avec 32 centimes, les 296 avec 98 centimes. Oui, ça veut dire qu'on a une payer plus petit intérêt parce que le principal là est moins. Et qu'on y a là, le principal là vient augmenter, ça veut dire qu'il est plus facile pour augmenter. Quand on a dit ça, que ah, ça m'a mon cher, ça va faire grande différence, c'est seulement un dollar combien, donc il n'est pas trop important. Mais songez qu'on a pour payer ça dans une période de 60 mois. L'eau casser 2 dollars chaque mois pour une période de 60 mois, il fait grande différence. Et si son cas acheté, imaginez que chaque mois, dans une période de 360 mois, ça veut dire soit payer cala pendant 30 ans, ou casser 2 dollars, le fait calcul ça, l'absez-vous en pile l'argent. Trouvez vidéo ça pour tes valeurs, share, like, pour mettre ça qui arrive plus loin.